Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure et demie. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à côté de moi, je ne suis pas seul. J'aime pas être trop seul dans ces moments-là. Surtout, Salut Franck. ouais, salut Jean-Loup, surtout pour une session qu'on Bonjour a à tous. intitulée Chacun son tour. Obligatoirement, on ne peut pas parler en même temps, c'est pas possible. Surtout pour une session qu'on a intitulée Meet the Experts. Meet the Experts qui aura lieu tous les mardis après-midi à 14h. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui se disent, bah, tiens, ouais, j'aimerais bien comprendre un petit peu ce que c'est que votre nouveau planning et qui fait quoi, etc. Vous pourrez à tout moment regarder ça. Hop, je vous mets le petit planning de la semaine. Lundi, on a reçu Pauline. Enfin, on a travaillé avec Pauline pendant une petite heure pour vous raconter toute l'année. Mardi, ce matin, c'était de l'animatique sur Animate et Illustrator. Cet après-midi, avec Jean-Loup, à 14h, pour parler de graphisme imprimé. Et il va nous donner plus de détails dans quelques instants. Demain, Mathieu Frémaux, complétera sa session sur les scripts à l'intérieur d'After Effects. Jeudi à 14h, une session de photographie. Et vendredi, Aline du B-Boost qui viendra vous donner ses trucs sur les créatifs et l'entreprise. Donc j'espère que vous en prendrez plein les yeux comme on l'a prévu. Aujourd'hui, donc Jean-Loup. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Franck, Est-ce que tu peux te bonjour à présenter en tous. quelques mots pour ceux qui n'auraient pas vu les quelques sessions que tu as déjà fait avec nous? Oui, eh bien, je suis graphiste indépendant, spécialisé dans la presse et dans l'édition, c'est-à-dire que je travaille aussi bien pour des groupes de presse que pour des entreprises privées, et je les accompagne soit dans la création de formules, magazines ou collections éditoriales, mais aussi dans l'exécution de la maquette et dans toute l'organisation, la chefferie projet, on va dire, pour mener à bien un projet d'édition jusqu'à la livraison, une fois sorti de chez l'imprimeur. Voilà, pour résumer en gros cette partie de production, donc de mon métier de graphiste. Et parallèlement, je suis aussi formateur sur toutes les questions pré-presse, où j'interviens notamment pour le centre de formation Pyramide chez le groupe AVOS. D'accord, très bien. Et si je dis pas de bêtises, on en reparlera peut-être tout à l'heure, tu fais aussi des formations pour toi via tuto. Oui, tout à fait. Je fais des tutos en ligne, des tutos vidéo sur InDesign principalement, mais aussi sur l'organisation des projets éditoriaux que j'ai le plaisir de distribuer via tuto.com. Voilà. D'accord, ouais, donc c'est super, c'est relativement complet. Pour ceux qui te connaissent, enfin, je sais qu'on a quelques têtes un peu connues. J'ai vu passer Cyril Hernoux du côté YouTube, j'ai vu passer Salut Cyril. Olivier Huard, j'ai vu passer Salut Samuel Olivier. Binet qui est avec nous. Salut Samuel. Tu vois, C'est chouette, ouais. il y a du Ouais, monde, super. les gens sont venus. Donc toi, La t'animes pression aussi monte. avec moi régulièrement le InDesign User Group sur Paris. Pas cette année, hein. Cette année, très clairement, c'est resté plutôt au calme. Mais tu t'aimes aussi beaucoup partager. De toute façon, c'est pas que de la formation, c'est aussi beaucoup de partage de Oui, connaissances. bah, effectivement, c'est aussi des rencontres, c'est aussi le partage, c'est le partage des bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours un échange, notamment avec les user groups, c'est-à-dire que c'est pas vertical, quoi, la discussion. Elle est, d'ailleurs, Samuel et Cyril qui sont là peuvent en témoigner, on est effectivement toujours en train d'échanger des bonnes pratiques, des cas de figure, des choses comme ça, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup aussi, évidemment, bien sûr. Tout à fait. C'est ça qu'on apprend. Tout à fait, tout à fait. Alors attendez, on me dit, ça a dû sauter un tout petit peu, mais si ça nous permet de rattraper le rythme, j'ai YouTube qui me disait que c'était pas correct. Donc on va essayer de faire beaucoup D'accord. mieux que tout à l'heure. Voilà. OK. Ouais, bonjour, bonjour Cyril, donc il nous dit bonjour et qui en profite pour présenter ses meilleurs vœux. Alors c'est vrai, les gens qui sont venus à la session de lundi, les gens qui étaient là ce matin pour parler d'animatique et ont déjà eu les vœux, mais ouais, je souhaite à tout le monde la meilleure année qui soit et bien plus agréable si possible que 2020. Voilà. Merci, tout pareil. Tout à fait. Ouais, Olivier, je viens de voir ton message sur le décalage son et image. Eh bien, il n'a plus lieu d'être. Il n'y a plus de décalage son et image. Ok, super.
Du coup, en arrière-plan, je nous ai mis non pas ma bibliothèque, mais surtout ton livre. Explique-moi, explique-nous un petit peu ce qu'est, pardon, cet ouvrage. Alors, le projet là, que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'est le catalogue des collections Pinto Paris. Alors, Pinto Paris, c'est un client que j'ai depuis une bonne dizaine d'années, parce qu'au départ, j'avais fait leur site internet. C'est comme ça que j'étais rentré dans la maison. Pinto Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu confidentiel. C'est un éditeur de mobilier, en fait, hein, donc il fabrique des meubles. Pour principalement habiller, ensuite enfin, équiper les hôtels particuliers, les jets ou les yachts qu'il met en place, parce que au départ, Alberto Pinto, donc la marque Pinto Paris, c'est un décorateur d'intérieur qui est spécialisé dans la décoration de yachts de luxe, de jets privés et d'hôtels particuliers. Et donc ça, c'est historiquement c'est sa première activité. Puis il est arrivé à éditer ses propres meubles, ses propres collections. De meubles pour pouvoir équiper une partie des projets qu'il avait en architecture, en architecture intérieure pour certains de ses clients. D'accord. Donc, moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que je travaille pour cette marque-là, cette maison-là. Et il y a 3 ans, puisque fin 2017, ils m'ont contacté pour mettre à jour, refaire en fait leur catalogue, puisqu'ils éditent un catalogue qui n'est pas un catalogue annuel, hein, parce qu'en fait, il faut bien penser que ce sont des collections qui sont intemporelles. Donc en fait, le catalogue existe jusqu'à temps qu'ils continuent de l'assumer, etc. Ils en avaient un jusqu'en 2015 à peu près, puis en 2017, ils m'ont demandé hein, de participer à l'élaboration de leur nouveau catalogue. Donc qui est un catalogue sur lequel on a travaillé de fin 2017 à mi-2019 à peu près. On a travaillé dessus pendant 1 an et demi, puisqu'on a imprimé en mai 2019, pour qu'il soit disponible pour le PAD, hein, le salon PAD Paris, qui avait lieu en juin de la même année. Et c'est toujours le catalogue en cours chez Pinto Paris. Et donc, je vais vous le présenter de manière enfin, un petit peu comme ce que j'avais pu faire des 4 ans plus chez Estelle. C'est-à-dire que là, je vais commencer par le point de départ, le projet, puis après la constitution du chemin de fer, le fichier InDesign en tant que tel, le fichier, enfin le document imprimé. Là, on va peut-être vous montrer aussi. Peut-être que je peux montrer à quoi ça ressemble Bah écoute, tout de suite, puisque si comme j'allais te ça. proposer, je vais partager ton écran. Comme ça, on sera Ouais. directement dessus. Hop. Tu me dis quand c'est bon pour toi et je partage. Oui, c'est bon pour moi. Hop. Donc là, on est sur ton écran. OK. Donc, vous voyez en fait sur cette caméra ici, donc le document, une fois qu'il est imprimé, hein, donc c'est un 180 pages qui est en dos carré collé cousu. Hein, donc c'est une technique de reliure qui est vraiment très très appréciable, parce qu'elle permet justement d'ouvrir le catalogue à plat comme ça pour pouvoir faire. Donc c'est un catalogue qui est destiné aussi beaucoup à des architectes d'intérieur hein, qui ont besoin aussi éventuellement de faire des propositions d'aménagement intérieur auprès de leurs clients. Et du coup, en fait, c'est très pratique, très utile de pouvoir bien l'aplatir sur son bureau. Il faut que ça dure. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, il est intemporel, c'est-à-dire qu'il n'est pas millésimé, le catalogue. Il est là pour toute la durée nécessaire. Et du coup, il faut qu'il soit solide. Donc, c'est une fabrication en dos carré collé cousu. Je reviendrai sur l'imprimeur. On a imprimé à Lens, tu l'as fait. Et donc, il est composé à la fois donc vous voyez ici donc des meubles. Alors, il y a différentes catégories. Il y a des chaises, et des tables, il y a des canapés, il y a des bouts de canapés, il y a des lampes, etc. L'ordre, je reviendrai dessus. Hein, mais l'ordre, en fait, il est pas du, enfin, il a été défini. Pour raconter une histoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas classé par chapitre avec d'abord les tables, puis ensuite les chaises, puis ensuite les bouts de canapé, puis la bibliothèque, etc. Par contre, après, on a un classement de ce qu'on a appelé le cahier technique ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, je tombe trop vite les pages ou pas. Donc le cahier technique qui lui, effectivement, va regrouper après par catégorie les assises, les tables, les meubles, les tapis, les luminaires et les accessoires. Et donc pour chaque objet, ensuite on va retrouver. Donc, on a ce qu'on appelle des dessins au trait qui ont été faits par le directeur artistique, je vais le citer, qui s'appelle Laurent Crabette, le directeur artistique des collections Pinto Paris.
Donc, il fait tous ses, il dessine hein, tous les meubles. Il travaille pas du tout devant l'ordinateur. Hein, il dessine les meubles, puis après, il en fait des aquarelles, puis après, il va faire ses plans en levé hein, directement en crayon, un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, mais de manière très, très précise, très nette. Et donc, moi, je trouvais ce matériel-là intéressant pour le catalogue. Et du coup, on a repris donc, la silhouette dessinée des meubles, qui sont principalement d'ailleurs dessinés sur calque. Donc, le scan d'un dessin sur calque, c'est un peu particulier, parce que, en fait, le calque voit un peu, enfin, il y a une espèce de. Enfin, le crayon utilisé est un peu gras. Du coup, il y a eu un travail sur la netteté des dessins, etc., pour qu'ils ressortent bien derrière l'impression. Je reparlerai peut-être un peu dessus. Et après, on a à chaque fois donc bah, les éléments techniques en français et en anglais, et puis donc des rappels de pages. Donc ici, on va retrouver en fait les pages sur lesquelles les produits sont présents. Donc, ça, je reviendrai aussi quand on parlera technique dans le design, puisque si je vais par exemple voir le centaure qui est page 83, je vais passer page 83 pour le centaure. Voilà, et donc là, on est page 83, donc c'est la table du centaure. Et on va avoir ici un rappel. Ou le centaure, on va avoir son pied technique qui est page 147. Donc, on a une sorte comme ça d'aller-retour, de passerelle entre retrouver les informations du cahier technique page 147 et page 147. On nous indique que le centaure, il est visible, page 83, puis il y a d'autres pages aussi, parce qu'évidemment, comme c'est des mises en scène et parfois aussi des zooms sur les matériaux, etc., on va pouvoir naviguer comme ça à l'intérieur du catalogue. Voilà, donc, ça, c'est l'ouvrage terminé. Pour parler un petit peu des matériaux utilisés, donc sur le papier à l'intérieur, on est sur un Munken-Lynx rough, Munken-Lynx rough, 170 grammes, et pour la couverture, c'est un Tintoretto 250 grammes. Donc, Tintoretto, est-ce que les choix de papier, c'est quelque chose que tu fais, ou est-ce que c'est quelque chose qui est que vous partagez avec le DA dont que tu nous citais Alors moi tout à l'heure? j'accompagne là sur ce projet ça dépend en fait sur certains projets je vais choisir je vais faire des propositions et puis je vais choisir et là sur ce projet-là en l'occurrence moi j'ai plein d'échantillons de papier à la maison évidemment j'en ai apporté beaucoup j'ai apporté dans ce que je pensais pouvoir être bon pour la marque et en fait eux, ils ont pris le temps vraiment de choisir parce que comme encore une fois c'est un catalogue qui va durer dans le temps en fait il faut que ça reste Ouais, évidemment, il faut un papier qui à la fois soit cohérent avec le côté luxe de la marque, Bien sûr. mais aussi un papier qui soit durable dans le temps, qui puisse être manipulé facilement sans qu'il y ait de taches. En fait, c'est bête, hein, mais ça, le choix d'avoir une couverture claire ici, ça a été un choix qui a été rendu possible parce qu'après, donc, on a choisi ici le Tintoretto. Et ensuite, il est pelliculé pour pouvoir le protéger parce qu'il faut imaginer qu'on va le manipuler très souvent et ce serait dommage d'avoir une couverture qui se salisse à la longue dans le temps. C'est-à-dire que le catalogue précédent, d'ailleurs, il avait une couverture noire exactement pour cette raison-là, c'est-à-dire pour éviter d'avoir dans le temps quelque chose qui se salisse. Qui se dégrade Donc, en et fait, qui se déprécie. Qui se dégrade, exactement, tout à fait. Parce Donc, que... ce choix du papier, il a été assez long au final, mais on l'a choisi ensemble. C'est-à-dire que moi, je suis venu avec des échantillons, j'ai indiqué, surtout côté technique, en fait, les grammages qui seraient les plus adaptés par rapport à leur projet, etc. Et puis, eux, ils ont beaucoup regardé l'aspect visuel, l'aspect au toucher du papier, et puis, évidemment, sa couleur, puisque on est sur des papiers qui sont évidemment non chlorés, mais qui sont pas, qui sont légèrement crème. Voilà. D'accord, très Ce bien. choix du papier a été très très long. Hein, dans les 1 an et demi en fait de travail qu'on a fait sur ce catalogue-là, une grande part a été occupée par le choix du papier. D'accord, oui, ça Voilà. fait quand même un an et demi pas que sur le papier malgré tout. Non, non, pas que sur le papier, parce qu'en fait, le premier travail qu'on a fait, et là ici, donc, je vous montre quelques photos du premier travail qu'on a fait avec Laurent Cravel. D'ailleurs, c'est lui hein, qui l'a fait au démarrage. Moi, je suis pas intervenu en tant que directeur artistique hein, sur ce catalogue-là, casquette que je peux porter parfois sur certains projets, mais sur ce projet-là, je suis intervenu en tant que graphiste et conseiller technique exé sur la mise en page et sur le suivi sur l'impression.
Mais la direction artistique a d'abord été faite par Laurent Par Cramer, Laurent. et ensuite, voilà, je l'ai accompagné aussi sur, enfin, on a validé un peu certains choix. Et en fait, là, ce que je suis en train de vous montrer, ce qu'on appelle une maquette à blanc, c'est-à-dire que Laurent avait imprimé la plupart des photos qu'il souhaitait voir apparaître dans le catalogue. Il avait monté à blanc en fait les pages sur un calepin, enfin sur un livret qu'il avait qu'il a dédié à ça. Et donc vous pouvez voir ici une proposition, hein, une proposition de mise en page, une proposition de maquette faite par le directeur artistique. Donc en fait, vous voyez que il n'a pas marié ni même des collections, parce que là on a le Parada à gauche et puis Braganza à droite. Ni même des catégories, etc. Il a fait en sorte de raconter une histoire qui pour lui était logique, parce qu'évidemment, c'est le directeur artistique, donc c'est lui qui porte l'âme de la maison Pinto Paris, et quelque chose qui soit assez fluide. Et il a alterné des encarts serrés, on va dire, dans les pages, et des encarts plus ouverts dans les pages. Et moi, mon travail a consisté à traduire ça en maquette. Il a fallu que je traduise ça sous forme de fichier design. D'ailleurs, dans un format qui est légèrement différent de celui-ci, parce qu'au final, le format physique fait 22 par 28, alors que là, ici, c'est un livret dans des dimensions standards qu'on trouve dans le commerce. Voilà, mais Alors donc, il a, comme ça, oui. j'ai une petite remarque de Zuko qui nous dit, ah, mais sur le projet Beyond, ça aurait été cool peut-être des captures d'écran InDesign, des photos en perspective du livre, etc. Mais est-ce que c'est juste le choix technique, genre j'ai posé les photos du catalogue parce qu'elles, enfin les pages du catalogue parce qu'elles étaient réalisées, ou est-ce que c'est justement comme tu es en train de nous l'expliquer là, parce que tu étais en duo avec le directeur artistique? Et que du coup tu enfin est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il y a Alors, que quatre oui, en pages? fait, et la raison, elle est pas vraiment là. Elle est surtout parce que, en fait, c'est ma DA de tous mes projets. Enfin, en fait, tous mes projets sont présentés de cette manière-là, c'est-à-dire un plat avec une légère ombre. Et d'ailleurs, c'est du PNG parce que la couleur qui est derrière, donc il y a une couleur différente par projet, et cette couleur peut changer. Et c'est la même chose sur mon site. Et pourquoi j'en suis venu à faire ça, c'est que au bout de la 10e refonte de mon site web, j'en avais marre de refaire tous les visuels de tous mes projets. Donc là, j'ai fait des visuels qui sont passe-partout, on va dire. Donc c'est vrai qu'à côté de ça, du coup, ça manque de levée 3D ou de. Mais c'est vrai, la remarque est pertinente. Je vais réfléchir à pimper ça un peu. Très bien. Moi qui pensais que c'était surtout pour des questions justement de je suis DA ou je suis graphiste dessus et que c'était pas forcément la même Non, manière là, je le précise en début, en tête de de. projet, je dis si j'ai fait la DA ou si j'ai fait le graphisme. Voilà, là, sur celui-ci, j'ai fait le graphisme et la mise en page. Sur d'autres, j'ai fait la DA, des choses comme ça. Voilà. C'est juste Zuko nous une dit ça a arrive l'air assez. d'être un énorme travail et ça se voit pas sur le poste. Oui, c'est vrai. On est très mauvais. C'est l'histoire des cordonniers. Hein. On est très mauvais pour parler de soi-même. Enfin, en tout cas, moi, je le suis. Ça, c'est sûr. Très bien. Mais du coup, voilà, grâce à toi, Franck, et à des tribunes comme celle-ci, je peux peut-être aller plus en profondeur dans le travail. Donc voilà, donc là, ici, toute cette étape-là, c'est une étape, donc je le redis, qui a été faite principalement par Laurent, mais à laquelle aussi on a été conviés. Quand je dis on, en fait, il y a moi, mais il y a aussi le reste de son équipe, hein, puisque pas Laurent CDA, mais aussi derrière toute une équipe dédiée évidemment à la réalisation de ces meubles-là. Qui sont parfois des pièces uniques, hein, c'est tiré à très très petite collection. Ils font travailler des ébénistes, qui sont artisans, parfois comment dire, championnat de France, meilleur Je ouvrier de t'entends France, pas quelque chose comme forcément ça. Hein. bien quand tu baisses Ah. le ton, mais Alors je vais essayer de parler plus clairement. Donc voilà, ils travaillent avec des ébénistes, des artisans qui sont meilleurs ouvriers de France, etc. Donc les meubles ont des petits tirages et certaines pièces sont des pièces uniques ou sont aussi des pièces faites sur mesure pour s'adapter à l'endroit où ce sera enfin, posé chez le client final directement. D'accord? Donc c'est vraiment, on est sur une gamme sur mesure hein, de ces meubles-là. Donc il y a une petite équipe dédiée qui est là pour faire en sorte que toute la production se passe bien. Et cette équipe a été aussi partie prenante, hein, vraiment à 100% sur les choix du papier, de la typo, des photos et du rythme hein, du coup qui est donné sur les 180 pages que compose la totalité du magazine. Alors en réalité un peu moins parce qu'il y a 145, 146 pages.
qui vont présenter les visuels, et puis il y a à peu près une petite cinquantaine de pages des cahiers techniques. Voilà. Donc, les cahiers techniques, bon, là, pour le coup, comme on a vu, c'était organisé par planche. Voilà. Et donc, l'ensemble de ces pages-là ont ensuite été redéfinies en fichier InDesign. Donc là, ici, on est sur le fichier fini. Vous voyez que on va retrouver exactement, enfin, à peu de choses presque, évidemment, il y a eu des évolutions, il y a des choses qui ont bougé, mais très peu finalement par rapport à la maquette à blanc qui avait été faite. Voilà, comme ici, donc on va retrouver cette double page avec le Keyloose qui est ouvert à gauche et fermé à droite. Et voilà, avec quelques choix qui ont été affirmés par rapport à la maquette à blanc qui avait été faite, notamment le choix du fond perdu lorsque les images étaient pleine page. Et puis, une harmonisation, en fait, dans les formats des images lorsqu'elles étaient à l'horizontale ou à la verticale. Vous avez peut-être vu que dans la maquette à blanc, certaines images étaient à la verticale ou à l'horizontale. Et du coup, là, ici, on a vraiment fixé, hein, parce que dans mes gabarits, j'ai vraiment les pages qui sont à l'horizontale et les visuels qui sont à la verticale. Et ça ne bougera jamais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a défini que la photo était à verticale, alors elle sera dans cette marge-là. Et si on a défini que l'était à l'horizontale, alors elle sera dans cette marge-là. Voilà. Donc cette variante-là, c'est une variante qui est fixée de manière à retrouver ensuite sur bah, la totalité des 180 pages une certaine cohérence, évidemment. D'accord? Donc ça, c'est, voilà, ça, c'est le disons, c'est ce que, le premier travail qui a été fait, c'est de réfléchir à une maquette qui puisse, parce que évidemment, j'ai pas monté toutes les pages du coup, mais d'abord de réfléchir à une maquette plus un choix typo, hein, puisque dans la maquette à blanc, il n'y avait pas eu, parce que c'était plutôt vraiment standard quoi, ouais, bien sûr, qui avait été choisi. Donc le choix typo, la maquette, la composition des textes, etc. En plus, là, il n'y avait que le français, il y avait l'anglais évidemment qui est arrivé après. Et un des premiers travaux, parallèlement au choix de la maquette, un des premiers travaux, ça a été de faire aussi le chemin de fer. Donc sur les 180 pages, parce que à partir du moment où on est d'accord en fait sur les visuels, sur les photos qu'on est censé mettre les pages après les autres, ben après il faut vérifier que j'ai bien la photo en ODF, que j'ai bien les bons textes, c'est-à-dire le bon nom des collections. Que j'ai bien que la photo elle a bien été gravée, enfin qu'elle est travaillée, et que j'ai importé la version définitive. Donc ceux qui me connaissent, qui ont déjà suivi un petit peu mes vidéos ou mes formations, ils savent que j'aime bien m'appuyer sur ce type de document, qui est un document qui va me permettre en fait de suivre si chacun des textes sont en attente, s'ils sont reçus, s'ils sont coulés, ou etc. Et pareil pour les visuels, s'ils sont montés, s'ils ont été reçus, si la gravure a été faite, ou etc. Voilà. Donc là, ici, ce chemin de fer, qui est un chemin de fer fait sur Google Sheet, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il peut être partagé avec l'ensemble des collaborateurs qui vont intervenir sur le document, même s'ils ne vont pas le modifier eux-mêmes, hein, même si eux-mêmes ne vont pas forcément me dire bah, « Tiens, je t'ai envoyé les textes, du coup, je le passe en texte reçu. » Ils vont au moins pouvoir valider la suite et voir ce qui se passe, qu'est-ce qui reste à faire. Là, j'en avais volontairement remis un petit peu, voilà, sur des visuels en attente. Voilà, donc moi, j'ai indiqué que la page 148 du cahier technique, j'ai encore des visuels qui seront en attente. Et donc, du coup, ça permet comme ça d'avoir une sorte de gestion de projet, une sorte de suivi carrément. Quand tu dis, c'est le client va pas forcément modifier ce document-là. Est-ce que il va pas tu par défaut il est en lecture seule, enfin tu les mets en lecture seule, ou malgré tout tu leur pour certains ils ont les droits de d'écriture? Non, pour tout le monde je donne les droits d'édition. Après en fait cet onglet chemin de fer je le verrouille parce qu'en fait on travaille tout à partir de la feuille contenu. Et par contre après il y a des clients qui sont plus ou moins familiers avec la manipulation d'une feuille Google Sheet. Ouais. Ouais. Mon client Corse il maîtrise parfaitement, du coup, et puis lui, en plus, il apprécie aussi ce genre d'outil. Du coup, il va y aller spontanément me faire des modifs. Je me dis, ben voilà, je t'ai envoyé des visuels. Donc, du coup, il passe en visuel reçu. Moi, je vois que la page 7, j'ai les visuels qui sont reçus. Du coup, je peux les voir dans la Dropbox, voir s'il faut les graver, s'ils sont bons, s'ils sont en def, enfin bref, les vérifier. Puis après, moi, je les monte et je les repasse en visuel monté. Donc, ça, et ça se fait naturellement avec mon client en Corse. Chez Pinto, ils n'avaient pas forcément comment dire,
Déjà, ils n'en avaient pas forcément l'utilité non plus, parce qu'en fait, la plupart des choses avaient déjà été faites. Ouais. Donc moi, je savais que la plupart des visuels, ils étaient manquants. Mais comme on avait cette espèce de maquette à blanc, en fait, le chemin de fer était quasi établi. Après, on a fait quelques changements, mais c'était déjà établi à 90%, en fait, l'ordre de passage de chacun des produits. Donc après, ils savaient qu'il manquait certains visuels, et ça, ils me les ont transférés. Et puis voilà, après, moi, je voyais par mail que je les avais reçus, je les passais en reçu, puis voilà. Donc ça se faisait comme ça. Mais par contre, ils ont les droits d'édition, bien sûr, parce que ça permet aussi de... moi, je laisse toujours la porte ouverte à des collaborations ou à des choses auxquelles j'aurais pas pensé et qui peuvent venir du client. Ça, voilà. Donc c'est fait comme ça. Et pourquoi ça s'est verrouillé? Parce qu'en fait, je peux tout faire depuis là, désormais. Par exemple, si le parada, là, je veux qu'il soit non pas page 10, mais je veux qu'il passe page 7, là, ben, je vais le glisser. Hop, ben, je l'ai mis page 7. Il arrive page 7, le parada. Et ça, cette feuille-là va automatiquement se mettre à jour. C'est-à-dire que si je viens page 7, ah, c'est le parada qui est page 7. Donc, en fait, j'ai pas besoin de changer le contenu sur cette feuille ici. Le contenu, il est changé ici. Et c'est plus facile d'organiser, de réordonner, en fait, chacune des lignes qui se trouvent sur cette feuille-là. Voilà. Donc, ça a été le deuxième gros travail, mais qui s'est effectué en parallèle lorsque j'ai récupéré, en fait, lorsqu'on a validé au fur et à mesure, donc, la maquette à blanc qui fait office de chemin de fer visuel. Ça a été de le transformer en sheet et d'avoir un espèce de gestion de projet ou de suivi de projet partageable, plus facilement manipulable que cette maquette à blanc qui est quand même très utile. Voilà. Puis une fois que le chemin de fer a été mis en place, que j'ai commencé à recevoir les visuels, ben là, la maquette a commencé. Donc on a fait le choix. J'avais fait plusieurs propositions typo, mais on s'est arrêté sur Mrs. Eves, qui est d'ailleurs est une fonte distribuée par Adobe Fonts. C'était la première, c'était mon premier projet à utiliser une fonte d'Adobe Fonts. Tu vois, mais moi j'étais ravi en fait. C'est quand les fontes émigrées sont arrivées sur Adobe Fonts, j'étais aux anges. Waouh, c'est cool parce que ça fait partie des très belles fontes des années 90 qui étaient pour moi inaccessibles sur la plupart des projets. Et en fait, en allant chercher dans Fonts, j'ai fait mais c'est cool quoi, parce que c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte quand on a la chance de travailler dans une grosse agence qui a déjà des licences pour énormément de typos. Mais quand on est indépendant, pouvoir se fournir en police, pouvoir varier aussi, pas être tiens toi tu es le graphiste qui travaille en Frutiger depuis 15 ans quoi. C'est est-ce que c'est par choix ou par économie? Parfois c'est par choix. Je pense à Susanna Chanel par exemple, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois. Elle travaille avec le Franklin, je crois. Depuis toujours en fait, et à chaque fois elle dit qu'elle n'a pas fini d'exploiter le caractère, donc mais voilà, ça dépend de chacun. Moi j'étais content de pouvoir utiliser, bon, d'une part c'est un peu mon côté geek, de pouvoir voir en fait ce qu'Adobe Font avait dans le ventre et comment ça allait jusqu'au bout. C'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, avoir accès à des typos comme ça et pouvoir les proposer à ses clients par intermédiaire des projets qu'on réalise, bah, je trouvais ça très chouette. Et le choix, donc, c'est posé là-dessus, c'est un bon choix, ça va bien. En fait, elle a un œil qui est très, très petit. Ça permet d'avoir un texte assez dense. Mais avec des lignes quand même bien interlignées, et donc on reste avec quelque chose de clair dans la lecture, ce qui est assez agréable finalement. Et puis ça colle un peu à l'esprit de la maison Pinto Paris. De toute façon, je pense que c'est le premier point sur ce contenu-là. Il faut que la fonte soit adaptée au projet. Après, libre à vous d'aller choisir sur Adobe Fonts, d'aller choisir. Alors c'est marrant parce que justement dans la journée, j'ai vu passer un tweet d'Emily Rigaud qui s'est amusé à lister les fonderies françaises. Oui, je l'ai vu aussi. Super article. Ouais, carrément. Tu peux le mettre, c'est vachement bien. Voilà. Alors, il y a eu la demande que m'a fait
la maison Pinto, au départ en 2017, c'était une demande de fabriquer un catalogue qui, au départ, serait diffusé de manière numérique. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, ils n'étaient pas certains de l'imprimer. D'accord? Donc, la première demande, c'était de concevoir un fichier qui aurait d'abord une diffusion numérique, mais qui pourrait éventuellement être imprimé. C'est la raison pour laquelle ça a été d'abord un fichier design à des formats d'impression, mais ensuite avec une réflexion sur la manière dont on allait pouvoir le diffuser, et surtout quelque chose d'assez pratique. Donc en fait, l'évidence veut qu'on fasse un PDF, un export PDF base def, hein, d'accord? Mais est-ce qu'on va plus loin que ça? Et notamment, alors on ne rajoute pas énormément d'interactivité, pas de vidéo, pas de lien, etc., parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, le fichier doit pouvoir être imprimé. D'accord? Donc, par contre, on a accès à des hyperliens. Et cette espèce d'aller-retour que j'ai fait devant vous sur la version imprimée entre les objets, les meubles qui sont montrés dans la première partie du catalogue et les cahiers techniques avec toutes les informations qui se trouvent. En fait, ça, on peut lier en fait dans le fichier InDesign. Une fois qu'on fait un export PDF, on peut avoir des liens qui sont cliquables grâce à deux éléments. Les références croisées dans InDesign, donc c'est ce qui se passe ici là pour tous les appels. Quand on a en fait là sur la page à droite, on a le Braganza dans le cahier technique et page 142, le Queloz page 154 et le Parada page 142. Et en fait, là, ici, ça se passe avec des références croisées. Alors, les références croisées, c'est la partie un peu technique là ici, mais ça peut intéresser, je pense. La référence croisée, ça fonctionne en appelant des textes qui portent un style de paragraphe précis. D'accord. Et puis ensuite, on va choisir ce qu'on veut appeler dans cette référence croisée. On peut choisir d'appeler tout le texte qui porte ce style de paragraphe. On peut choisir d'appeler le texte plus le numéro de la page sur lequel se trouve ce texte, ou on peut choisir d'appeler aussi juste le numéro de la page sur lequel se trouve ce texte. Si je prends par exemple le Braganza avec les pages 142, je vais vous montrer, donc je vais aller directement par la page 142. On a le Braganza, voilà, oui. Donc ici on a le Braganza. Et le Braganza qui est là, en fait, il porte un style de paragraphe qui n'est pas n'importe lequel, qui va être rangé ici, qui s'appelle donc non produit, hein, qui est rangé dans mon truc qui est technique non produit. Et en fait, donc j'étais sans doute page 11, je pense. Tac. Non, donc page 7. Alors, ça peut être plus loin, mais je vais vous remontrer. C'est un Voilà, le peu un livre dont vous Braganza êtes qui se le trouve héros, la ici. référence croisée, non? On a fait ça. Hein. On a fait ça dans le livre dont on est le héros, la référence croisée. Voilà. Mais bon, je le remonte quand même. Oh, mais tu fais bien, Et il qu'est-ce que... y a aucun souci, je Oui, suis pas voilà. sûr. Dans le chat, est-ce que vous aviez vu la session qu'on avait fait avec Jean-Loup, où on était allé carrément remettre en page tout un livre, passer justement d'une page à l'autre, via les références croisées, pour faire du livre dont vous êtes le héros? Est-ce que vous étiez déjà là, les uns les autres? On en parlait déjà un petit peu, et là j'ai repris exactement le même principe, c'est-à-dire que là je souhaite placer donc le numéro de page sur lequel se trouve Braganza. Donc je vais aller dans le menu texte, je vais choisir d'insérer une référence croisée. Et alors là j'ai ce grand panneau qui s'ouvre, je sais que c'est rangé dans non produit, donc je sélectionne le style de paragraphe non produit. Et là j'ai tous les noms du produit qui sont donc dans le cahier technique hein, et qui portent la feuille de style non produit. Et j'ai un petit moteur de recherche ici qui permet de m'aider. Je vais chercher Braganza, voilà, et là il arrive. Il me dit, ben voilà, Braganza, et je lui demande d'importer le format numéro de page seul. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut importer le paragraphe en entier, le paragraphe en entier plus le numéro de la page, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est juste le numéro de la page. Voilà, donc là, il dit Braganza, je dis OK, donc il m'a importé le folio 142. Ce folio 142, donc on le fait après pour Kélouz, pour Parada, on le fait pour tout le monde sur les pages, donc il faut les insérer à la main. Enfin, l'avantage, c'est que derrière, c'est mon cahier technique qui chasse parce que je rajoute un produit ou que je les déplace, etc. Ensuite, je mets à jour ma référence croisée et je n'ai pas à retaper, quoi. Donc, je suis sûr que je n'ai pas d'erreur de renvoi entre le cahier technique et la page en elle-même. Et cette référence croisée, lorsque j'exporte en PDF, elle est cliquable automatiquement. Ouais. C'est-à-dire que quand Oui, je fais un il y a directement PDF, l'intégration de ce genre de lien, non seulement cliquable vers exactement. la référence, mais aussi la page retour pour pouvoir la retrouver. Alors, dans la page retour, donc là, c'est ce qui se passe du coup dans le cahier technique. On va aller page 142. Et dans la page retour, en fait, page 100, elle est là, voilà.
On voit que le Braganza, donc il est page 7 et page 11. Et en fait, ici, c'est un hyperlien. D'accord? Donc, ce n'est pas une référence croisée, ici. Pourquoi ce n'est pas une référence croisée? Parce que si vous vous souvenez, en fait, mes noms de produits qui se trouvent dans la première partie, eh bien, ils sont dans un seul et même paragraphe parce qu'ils sont sur la même ligne. D'accord? Donc, ici, là, ça devient un peu compliqué d'aller chercher un nom précis en particulier. Donc, là, ici, je fais un retour, donc c'est un hyperlien, hein, ils sont ici, là, un hyperlien, donc voilà, j'ai ici un hyperlien page 16, je suis page 142, et la source, hop, elle est ici. D'accord? Alors, pourquoi j'ai choisi l'hyperlien et pas les références croisées? D'abord, pour la première raison que j'ai évoquée avec vous à l'instant, c'est-à-dire que dans le paragraphe, j'ai plusieurs noms, du coup, ça peut être compliqué de les retrouver, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'en fait, les noms qui sont page 6 font référence au produit qui est page 7. Donc moi, en fait, dans le cahier technique, quand je dis que la chèvre Braganza, elle est visible dans la première partie, elle est visible page 7, elle n'est pas visible page 6. Donc autant là, dans la légende, je dis que vous pouvez retrouver la légende page 142, autant page 142, retrouver Braganza page 6, ce n'est pas vrai. D'accord? Donc, parce que le Braganza, il est page 7. Donc là, voilà, il y a eu deux, en fait, il y a eu ces deux travails-là, enfin, ces deux travaux, pardon, ce travail en deux temps, en deux parties. La partie, ben, je vais chercher la référence croisée dans la partie technique, et puis ensuite, dans la partie technique, je fais un hyperlien, donc je fais un lien vers la page sur laquelle est présente la photo du produit en question. Là aussi, les hyperliens, lorsqu'on fait un export PDF, eh bien, ils sont cliquables, ils sont interactifs dans l'export base dev. Donc là, ici, lorsque je fais un export, lorsque j'ai fait l'export base dev, que je le fasse en planche, que je le fasse en page à page, à chaque fois, le lien renverra sur la bonne page directement. Voilà. Donc ça, c'est la première solution proposée à mon client lorsqu'il m'a dit, j'ai besoin d'avoir un PDF qui puisse être un PDF que je peux envoyer par mail, enfin une version numérique que je peux envoyer par mail. Qu'éventuellement je peux uploader sur le site web, mais qu'après ce PDF, bah, je voudrais aussi pouvoir l'imprimer. Donc on fait avec un seul et même fichier un peu de choses. La solution, ça a été voilà, de traiter mon fichier avec des références croisées et avec des hyperliens. Moi, pour la version print, bah, on s'en fout, enfin, évidemment, c'est pas cliquable, mais je sais que mes folios renvoient aux bonnes pages. Et pour la version numérique, eh bien, j'ai des hyperliens qui existent. Et la deuxième proposition que j'ai faite à mon client, parce qu'il m'a dit, j'aimerais bien le mettre aussi sur le site web. Je vais lui dire, ah, mais il y a Publish Online qui existe aussi. Et du coup, alors Publish Online, donc pour le présenter, c'est la solution d'Adobe pour mettre en ligne des documents imprimés, mais dans lesquels aussi on peut ajouter de l'interactivité. Dans Publish Online, on peut mettre de la vidéo, du son, embarquer des boutons cliquables, etc. Sauf que, alors on peut faire des éléments cliquables dans Publish Online, mais les hyperliens et les références croisées ne sont pas exportables. Enfin, en tout cas, au moment où je l'ai fait, ça ne l'était pas. Je ne sais plus si ça l'est encore. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que au-dessus, donc pour faire un export Publish Online, j'ai fait un petit calque au-dessus de ma maquette, qui est un calque bouton, et dans lequel j'ai créé des hyperliens, donc ce sont des boîtes vides. D'accord? Et donc, j'ai refait tout le travail que j'avais fait de manière automatisée pour les références croisées et les hyperliens en retour. J'ai refait des boutons hein, que là, pour le coup, je rends actifs au moment de faire l'export Publish Online. Et l'export Publish Online, si tu le partages avec. Enfin, vous pouvez le voir, hein, vous pouvez aller le voir du coup sur la page de Sur la Photo page, Paris. tout à fait. Ouais, ça arrive Voilà. dans 2 secondes. Je mets des Ok. liens, mais j'en passe beaucoup là pour l'instant. Oui, non, t'en fais pas. Et donc voilà, donc on se retrouve avec un document comme ça. Donc là, on est sur le site hein, et donc sur la home, en fait, on embarque le Publish Online, donc qui est issu de mon fichier InDesign, et que tout le monde peut consulter. Donc on peut le mettre en plein écran et tout le monde peut consulter. Et là, donc ces petits boutons que j'ai rajoutés, vous vous rappelez, donc sur mon calque bouton. En orange, il recouvre la totalité, donc pas seulement le folio, hein, parce que je trouvais pareil. Alors ça, du coup, dans le PDF, il n'y a que le folio qui est cliquable. Mais là, j'en ai profité, j'ai recouvert tout le monde. Donc j'ai recouvert tout le monde et je clique dessus. Ça m'emmène donc sur la page 142. Et si je reclique sur le bouton 7, ça me ramène sur la page 7. Et donc là, ici, ce sont des blocs
transparent, rendu interactif, hein, transformé en bouton via le panneau bouton et formulaire qui renvoie à une page précise. Voilà. Donc ça a été la réponse pour donner une solution de diffusion numérique à mon client à partir d'un seul et même document, parce qu'il ne voulait pas travailler une deuxième maquette qui serait adaptée à une diffusion à écran. Il voulait vraiment rester sur la maquette du print, puisque au départ, hein, donc je le disais, il voulait avoir le catalogue pour l'imprimer, mais avec dans l'idée de le diffuser d'abord numériquement. Puis ensuite, au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, bah, la décision d'imprimer a été prise, et du coup, de là, s'est enclenché les choix du papier D'accord, et oui. Et la c'est plaque. peut-être ce point-là, justement, qui fait que ça a pris peut-être un peu plus de temps que Bien prévu, quoi. sûr. Oui, bien sûr, parce qu'au fait, au final, donc la première mouture du fichier, ça a été fait courant 2018, en fait, première chose. Et puis après, à partir de là, la décision a été prise de l'imprimer. Et du coup, bah, évidemment, donc il y avait aussi des nouveaux meubles qui sont arrivés. Il y a eu le PAD Forcément. London, donc j'étais au PAD London en 2018, pour présenter enfin, des nouveaux, oui, une nouvelle collection, etc. Des photos ont été faites au PAD D'accord. Qu'il a fallu de intégrer. Londres qu'il a fallu intégrer. Donc il y a eu une remaquette de nouveau, une modification du chemin de fer. C'est là où on est content d'avoir un fichier qui reprend ça, parce que du coup on sait d'où on repart, etc. Même si c'est 6 mois après ou 1 an plus tard, on sait d'où on repart. Donc là on a réintégré des documents. Et là pour le coup j'ai eu pas mal, enfin j'ai eu un peu de gravure à faire aussi, puisque si on a, alors je vais revenir sur ce, voilà ici, alors. Je crois que une des photos, voilà, ce canapé, donc c'était une des nouvelles collections. Donc là, la photo a été prise sur le stand du PAD London, comme D'accord. d'ailleurs certaines images suivantes. Voilà, donc on a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc tout ça sont des images de stand, en fait. Et en fait, ces images de stand, il a fallu comment dire, les retravailler. Et donc là-dessus, il y a eu aussi un travail pas mal de gravure, parce que là, ici, vous voyez la photo retouchée, mais à l'origine, on avait donc cette grande tenture, là, tapisserie qui descendait. Il a fallu la retirer, hein, pour pouvoir l'avoir ici en double page, sans la tenture, sachant que elle est répétée sur la page d'après. Là, on la voit, mais j'avais qu'une seule photo pour faire ça ici. Et il y a eu d'autres, après, des travaux qui sont un peu plus anecdotique sur ces images-là, où là aussi on est sur la photo du stand. Et donc en fait, si on regarde un peu, on voit, hein, une espèce de toile qui permettent de marquer. Il faut imaginer qu'on est le PAD, hein, c'est un salon professionnel, hein. Faut imaginer qu'on est dans un salon, que du coup certes on a des grands espaces, mais on a aussi des matériels qui sont des matériels de salon. Et donc là aussi il y a eu un nettoyage de fait pour que l'image paraisse être prise dans un décor autre que celui d'un salon professionnel. Voilà. Donc là, il y a eu un peu de travail là-dessus, pas mal aussi de chromie, parce qu'on est sur des couleurs qui sont très denses, hein, très 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 lourdes, sur le bleu de fond ici. Donc là, il y a eu pas mal de travail de chromie. J'avance, je ne me rends pas trop compte comment Écoute, je on est suis. bien, comme j'ai dit, on a une bonne heure et demie si on veut, donc tranquille, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Bon, donc voilà, donc là, ce gros travail de maquette, de gravure et de rajout. D'ailleurs, au passage, je vais montrer un petit truc là, que quand j'ai repris un peu le fichier pour pouvoir intégrer cette nouvelle collection, évidemment, donc il y avait. Au départ, on était parti sur 150 pages, je crois, enfin, aux alentours de 150 pages. Et puis, du coup, on en a rajouté, puisqu'il y a eu cette nouvelle collection. Puis, il y a d'autres pages qui, pour le coup, ont sauté. Mais quand les pages sautent, en fait, moi, je ne sais jamais si elles sautent pour de vrai, entre guillemets, ou si elles sautent temporairement, puis après, elles reviendront, etc. Et pour éviter de perdre des maquettes, je travaille avec des variantes de mise en page qui, du coup, vont me permettre de stocker, en fait, en brouillon, des pages qui ont déjà été montées. Je les bascule sur la variante d'à côté. Et au besoin, je reviendrai dedans. Et l'avantage de travailler avec les variantes, c'est que bah, au moment de l'export, en fait, j'exporte juste la variante que j'avais imprimée, et je suis sûr que j'en ai pas une en plus, ou qu'il va m'en manquer une, ou que j'ai laissé celles qui sont tout en bas, parce que avant, ce que je faisais, c'est que je les mettais tout en bas, et puis après, au moment de générer l'impression, je repérais le folio, et je m'arrêtais au folio en question. Mais là,
le fait de les mettre à part, disons que c'est une sorte de sécurité supplémentaire. Donc, j'avais travaillé comme ça. Puis une fois que, bon, après, on génère les PDF, ça part chez, donc, on a imprimé à Lens. Ça part à Lens, les BAT numériques reviennent, on fait des contrôles, et puis après, on part, comme d'habitude, on va voir l'imprimeur. Et donc, une fois qu'on était chez l'imprimeur, ici, tac, on a le calage. Donc, là, ah oui, alors, j'avais pas montré, mais sur la couverture, en fait, donc, on est sur un papier qui est à 250 grammes. Pourquoi 250? Parce que c'était, c'est le grammage maximum qui pouvait passer sur la machine. On a imprimé sur une HUV, donc, et le client voulait quand même quelque chose d'épais. Donc, du coup, pour donner la sensation de quelque chose d'épais, on a doublé. Donc, j'ai un pli, en fait, hein. J'ai un pli qui fait, du coup, bah, ça nous donne une couverture de 500 grammes, hein, en cumulant les deux. Et avec cette, donc, du coup, pour bien signifier après à la FAB ce qu'on veut, etc. Moi, j'aime bien faire des petits gabarits, des maquettes, quoi, d'accord, qui sont pas forcément à l'échelle, d'ailleurs, mais juste pour indiquer, en fait, en gros, ce qu'on veut. Et là, c'était la sortie de l'imprimeur avec sa maquette en blanc, comme ça. Donc là, on était en train de travailler sur la couve. Ce qui était marrant aussi, ce qui était un peu difficile, c'est que, comme c'est pas le même papier entre la couverture et l'intérieur, eh ben, il a fallu bien vérifier que le rouge qu'on utilisait dans la couverture, ici, soit le même qui soit utilisé sur la page intérieure, parce qu'ils ont pas, les deux papiers n'ont pas exactement la même blancheur, n'ont pas exactement la même prise d'encre, etc. Donc, il y a la théorie, quand on dit sur le papier, bah, c'est tel, enfin, dans le fichier design, c'est tel Pantone, c'est tel mélange quadri, dans tel profil, et on veut le même, dans le deux, bah, après, il y a la réalité, quoi. Et la réalité fait que, bah, suivant, la manière dont le papier va réagir à la lumière, etc., on n'aura pas tout à fait forcément le même rendu de couleur. D'ailleurs, au départ, si je reviens ici, au départ, j'avais prévu dans ma maquette d'avoir un rappel de cette couleur, donc qui est sur la couverture, sur la première page intérieure, un tout petit rappel qui mange un tout petit peu pour avoir à peu près la même prise que sur le dos ici. D'accord? Donc la même prise à gauche. Et au final, on a abandonné. J'ai abandonné le projet pour justement éviter d'avoir un raccord de couleur qui soit pas bon. Ouais, bon, ouais, au final, on a quand même réussi, enfin, l'artisan a fait un super boulot et on a réussi vraiment à avoir une couleur qui est ici, qui est la même que celle qui est là, sur deux papiers différents. Ça veut dire qu'on aurait pu quand même le faire finalement. Mais voilà, pour des raisons de sûreté, on va dire, c'est quelque chose que, au final, j'ai pas. Ouais, c'est un choix que t'as évité justement de pas. Voilà. Te retrouver avec un truc où tu serais à moitié satisfait, alors que là, pour le coup, il n'y a pas de souci, quoi. C'est... Voilà. Donc, mais c'est dommage. Après, sur le coup, là, enfin, après coup, tu vois, je me suis dit, ouais, en fait, j'aurais pu le faire parce que voilà, les conducteurs sont top et ça s'est très bien passé. Mais bon, voilà, la prochaine fois. C'est peut-être des fois, plus regretter voilà. Des choses que tu aurais fait que des choses que tu aurais dû faire. Voilà. Voilà. Ça, c'est, voilà, ça, c'est, oui, bien sûr. Et ça, c'est le, voilà, ça, c'était le genre de, alors, je prends toujours en photo mes signatures. Et voilà. Donc après, voilà, les pages calées qui sont les pages, donc sur les cahiers, complexes, c'est-à-dire les cahiers sur lesquels je pense qu'il peut y avoir de la difficulté, soit parce que c'est dense, soit parce que, il y a les visuels. Là, ici, on a, sur la même planche, on a beaucoup de bleu, et puis là, on en a quasiment pas, en fait. Mais bon, c'est comme ça, c'est parce que le chemin de fer, il a été conçu pas d'abord dans des raisons techniques, mais d'abord pour des raisons, comment dire, narratives, hein, parce qu'en fait, il y a une histoire qui est racontée du début à la fin du catalogue. C'est vrai que moi, des fois, j'aime bien demander à l'imprimeur en amont l'imposition des cahiers pour pouvoir vérifier que sur les cahiers, en fait, j'ai à peu près des cohérences de couleurs d'une page à une autre. Oui. Et bon, bah là, c'était un peu le hasard, quoi. C'était un peu la surprise, puisque la construction du chemin de fer, c'est pas faite en tenant compte des raisons techniques comme ça. Donc, c'est des pages que moi, je sais, peuvent poser problème au moment de l'impression. Donc, c'est des pages que j'aime bien contrôler. Voilà. Et puis, après, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, j'ai jamais rien compris. Moi, je trouve que c'est pas magique de voir des conducteurs pianoter là-dessus. voilà. Donc, après, c'est de réussir à t'éviter des cheminées quand t'as des ouvertures de blanc, là, sur des pages noires. Ouais. Effectivement, il y a du travail, quoi.
Ouais, donc ça c'est la machine qui était donc une 5 blocs, donc une fois 4 blocs. C'est-à-dire qu'on imprimait le recto, puis après, il fallait remettre tout le monde devant pour imprimer le verso, ce qui est rare, en fait. Moi, très souvent, je travaille plutôt sur des 2 fois 5 blocs ou 4 blocs, enfin, qui permettent de faire le recto verso en une fois. Là, pour le coup, c'était équipé que dans un sens. Mais ça l'a fait très bien, zéro souci, hein. Non, Ça après, prend juste un c'est petit peu toujours. plus de Là, temps. pour le coup, c'est une HUV, donc elle se permet un séchage plus rapide. Mais c'est vrai que ça fait Exact, des instantané, entrepôts hein. de dingue, quoi. Instantané. Ouais. Oui, puis il faut changer des plaques. Bah, du coup, ça fait plus de changements de plaques, ça fait plus de manip, donc ça prend toujours un petit peu plus de temps. Alors, voilà, puis là c'est le cahier technique. C'est pareil, je voulais bien voir les filets, comme j'expliquais. Ils venaient de papier calque, et en fait, les scans de papier calque. Enfin, je sais pas à quoi c'est dû d'ailleurs, mais voilà, les traits sont toujours un peu gras, donc pareil, quelque chose que je voulais contrôler, et surtout que j'ai passé aussi en une couleur. Elles sont que en noir, du coup il n'y a pas, c'est pas en quadrille, pour éviter les problèmes de superposition de plaques et des choses comme ça. Même si on était sur une trame à 180 là ici, donc même si on est fin, même si on a une super machine, etc. C'est pareil, je joue toujours la sûreté. Voilà. Surtout sur des ouvrages comme ça. Alors là, il a été tiré à 5000 exemplaires. Le papier, il est arrivé directement d'Italie. Donc, l'intérieur, hein, le Mucon, c'est arrivé à peu près pendant la fermeture d'une usine de papier. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Début 2019, il y avait une fermeture d'une usine de papier. Et du coup, les stocks étaient assez difficiles à obtenir. Et on a du papier qui est arrivé. Les palettes sont arrivées d'Italie, je crois, le matin même du calage. C'était le truc un peu épique. Voilà, et la sortie, donc en publish online, qui arrive bah, de manière instantanée, hein, puisque en fait, chez l'imprimeur, je me rappelle, chez l'imprimeur, j'ai envoyé, enfin, j'ai mis en ligne donc la version publish online sur le site. Ouais, se connecter au Wi-Fi de l'imprimeur, et une fois que le livre était sorti sous presse, pouf, il a été mis en ligne sur le site. Voilà, un peu le tour du coup du truc. Je sais pas si Alors je regarde un petit je vais peu un peu vite. les questions qu'on a eues. Je t'ai pas forcément toujours interrompu pour ça. Non, je t'en Tout à prie. l'heure, Zuko nous disait, mais question sur ton espace de travail. Est-ce que ce que tu utilises, c'est un espace de travail personnalisé ou c'est tout simplement les indispensables dans InDesign? Alors là, de base, je suis sur les indispensables, mais après, moi, je m'en fabrique aussi certains, parfois aussi pour les présentations directement. Mais là, ici, c'est de base les indispensables. Les indispensables classiques, là, pour différencier avec les deux, c'est celui qui n'a pas le panneau propriété. Mais comme tu peux le voir, en fait, je l'ai personnalisé un petit peu en remettant les références croisées et les hyperliens ici. Et là, je l'ai fait juste pour aujourd'hui, pour avoir accès rapidement au panneau, pour pouvoir vous les montrer. Voilà. Et sinon, moi, je travaille, c'est vrai, essentiellement avec l'espace de travail, les indispensables classiques même d'ailleurs, et pas les indispensables tout court. Le panneau Moi, j'avoue propriété, faire un mixte. ouais. Ouais, je pars sur le nouveau indispensable avec le panneau propriété et je me rajoute la barre de contrôle parce que je l'aime bien. On a des vieilles habitudes quand même en une vingtaine d'années. C'est ça, ouais. Le panneau contrôle qui s'appelle le panneau option d'ailleurs dans InDesign, mais contrôle dans Photoshop. Pardon, c'est ma faute. Oui, bon, Non, écoute. non, c'est pas grave. Non, mais t'as entièrement raison. C'est Tout le monde sait de quoi on parle. Mais moi ça. aussi, je dis le contrôle. Carrément, Donc, carrément. oui, non, non, mais ouais. Après, effectivement, on peut. Voilà, par contre, dans Photoshop, j'avais fait mon espace de travail pour aujourd'hui. Composition de calque, avec juste la composition des calques pour pas avoir Pour pas avoir à chercher, te redemander où est-ce qu'il est le reste, passé. etc. Ouais, Carrément. voilà. Carrément. J'ai lancé les gens justement pour avoir un petit peu de questions s'ils en avaient. Tout à l'heure, Zuko nous disait, est-ce que la quantité de texte avait aussi été calibrée? Y en a très peu, en fait, au final. Donc, moi, ce que j'avais eu au départ, donc j'avais le texte en français, parce que lui, il avait été écrit, et d'ailleurs, il faisait partie de la maquette à blanc, hein, c'était le texte définitif, hein, moi. Donc je savais que j'avais à peu près la même chose en anglais. En anglais, il faut compter un petit peu moins, voilà, dans les trades, c'est toujours un petit peu moins que le français.
Et ensuite, c'était clair que on n'allait pas mettre les informations techniques dans la première partie du catalogue. Ça, c'était clair dès la maquette à blanc. Par contre, dans la maquette à blanc, on n'a pas du tout travaillé en fait le cahier technique. Très très peu. Voilà. Enfin, les pages, voilà, c'était comme ça. C'était vraiment comme on savait qu'il allait avoir un petit sommaire, machin, etc. On ne savait pas comment ça allait être fait, ni même en fait la quantité d'informations qu'il y aurait. Mais bon, en même temps, comme cette partie technique, elle était traitée à part, en fait, ça n'a pas été très compliqué à gérer au final, Ouais, ça n'a pas puisque pénalisé ton rythme dessus, quoi. exactement, en fait, tout ce premier chapitre, toute cette première partie là qui est très narrative, elle a été protégée du texte, d'incertitude qu'on avait par rapport au texte. Parce qu'en fait, on n'avait pas, tout simplement. Voilà. Donc après, les textes, voilà, ça a été distribué sur deux colonnes et ça a été très simple. Hein. On a le français à gauche, l'anglais à droite. D'ailleurs, il n'y a pas de changement de graisse, pas de changement de couleur entre les deux. Il y a que voilà, c'est que une colonne réservée à gauche, une colonne réservée à droite, respectivement pour le français et pour l'anglais. Voilà. Après, là, les lignes sont ancrées au début du paragraphe de la description, voilà. Donc ça, alors ça va dépendre de la base, c'est là, mais vous voyez qu'ici on a une petite exception justement qui ne le fait pas. C'est pour essayer d'avoir des alignements qui soient plus ou moins logiques en fait quand on regarde les deux. Et pourquoi elles sont ancrées? Ben pour pouvoir continuer à éditer du texte en ayant tout le monde qui chasse derrière. Voilà, ici j'édite mon texte, je rajoute des retours chariots et il y a tous mes Il y a tout le reste qui suit parce que justement ils sont ancrés. Donc là, c'est pareil, je vais essayer au maximum de me faciliter la gestion et la mise à jour des produits. Parce que là, ici, donc, je ne l'ai pas mis à jour, il n'a pas été retiré, mais il a été tiré à 5000 exemplaires. 5000 exemplaires, ça fait une bonne année et demie maintenant qu'il est imprimé. Peut-être qu'à un moment donné, demandera éventuellement de le réimprimer. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas en profiter pour rajouter un ou deux produits qui ont été faits, etc., mais sans forcément changer la maquette. C'est-à-dire que là, Ouais, c'est ça, on peut aussi du revenir à la coup chose. juste faire un rafraîchissement du catalogue et pouvoir récupérer ça, quoi. Voilà, et un rafraîchissement du catalogue, eh ben, ça veut dire que potentiellement, on peut insérer un nouvel élément entre le Ipanema et le Ipanema Grande D, qui fait que bah, derrière, il faut que tout le monde suive, quoi. Donc ça, dès le début, en fait, ces principes de construction sont réfléchis pour tenir compte d'une éventualité, d'une éventuelle mise à jour, quoi. Voilà. Carrément. Carrément, carrément. Yasuko qui a dit, tiens, dans les descriptions, on avait l'impression que le texte en dessous des objets était un objet ancré avant même que tu ne fasses la description et le développement. Donc c'est très bien. Non, tout est clair, tout est explicite. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Je regarde un petit peu en même temps les pages. De l'autre côté, côté YouTube, il y a eu quelques passages. Donc, François qui nous disait, j'arrive maintenant, mais le principe, je n'arrive que maintenant, mais le principe, c'est d'être présent. Tout à fait. C'est effectivement ça. Je vous ai remis d'ailleurs, hein, au fur et à mesure, les différents liens qu'on a évoqués avec Jean-Loup, que ce soit les livres dont vous êtes le héros, le Publish Online, du catalogue, hein, ou tout seul, les Adobe Fonts, pour ceux qui en ont besoin et qui n'ont pas encore vu qu'ils avaient accès à ça dans leur Creative Cloud. Ça, c'est assez utile. Et alors, pour ton, si je dis pas de bêtises, pour ton outil, justement, de développement de pages, de mise de chemin de fer, tu t'avais fait un tableau directement dans le dans de, ouh là là, t'as fait un tuto chez tuto.com. C'est dur, Oui, c'est. ça vous pouvez retrouver effectivement parce que je l'avais présenté, enfin j'avais présenté la première version de ce que j'avais fait quand tu m'avais invité la première fois il y a 4 ans, 4-5 ans, et il y avait eu beaucoup de demandes sur comment je l'avais fait. Du coup, j'en ai fait un tuto, mais avec la mise à jour de celle que vous voyez là, c'est-à-dire celle qui permet de mettre à jour les pages directement et donc dans la feuille contenu et d'avoir un aperçu ici sur tuto.com. D'accord. Voilà, et puis
Non, toi, tu les. Je sais pas si. Moi, j'ai un lien à vous passer pour ça. Comme ça, vous allez pouvoir jeter un œil. Hop, hop. Oui, bah, je pense qu'on peut le dire. Oh, bien, carrément. J'ai préparé 100 coupons pour une réduction de 50% sur le tuto en question pour ceux que ça intéresse. S'ils veulent aller voir, je te laisse transmettre ce que tu veux. Tout à fait. Si tu peux, si Toi, tu veux, t'as le, t'as le, s'il te si plaît. tu te mets toi sur tuto.com juste pour le montrer à l'écran, comme ça les gens voient à quoi ça ressemble, Ouais. le tuto Alors, je sur le recherche chemin de sur le fer. chemin de fer. Voilà. Voilà, celui-ci qui permet donc vraiment qui est complet. Alors il dure une petite heure. Hein, voilà. Il dure une petite heure et puis donc, je montre toute la technique qu'il faut pour construire ce chemin de fer dans Google Sheet directement et comment le partager avec ses clients. Et ce qui moi me facilite vachement le travail. C'est systématique dans tous mes projets. Et je sais que pour ceux qui le mettent en place aussi dans leur production, bah, ça les aide beaucoup. Alors après, voilà, c'est un outil qui est au départ destiné à des indépendants hein, qui veulent se faire leur propre outil, parce qu'après, il y a aussi Il y a des des solutions logiciels pro hein, et qui dédiées en permettent, fait. voilà, il y a des logiciels qui permettent de faire de la gestion de chemin de fer. Mais là, disons que c'est avec les outils Google Sheet gratuits, on peut réussir à faire quelque chose qui est à la fois pratique, mais aussi partageable, donc collaboratif. Voilà. Carrément. Il y a Olivier Huard Voilà. qui nous abandonne. Ça, je suis très triste. Salut Olivier. Non, non, mais effectivement, il faut continuer à creuser tout ça bah pour pouvoir effectivement bien développer. Est-ce que dans ce que tu nous as présenté, toi, il y a eu certains points sur lesquels tu as eu des. Parce que enfin, tu as une vraie expertise sur l'outil, que ce soit sur la partie print, que ce soit sur la partie numérique. Est-ce que sur ce projet-là ou sur d'autres, il y a encore des points sur lesquels toi tu pêches, où tu as des difficultés, où tu te dis mince, comment on fait ce truc-là? Alors, je t'avoue que j'ai un peu tâtonné pour trouver une solution sur l'interactivité dans Publish Online, par exemple. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'étais vraiment convaincu que les références croisées ou les hyperliens allaient pouvoir fonctionner dans mes deux exports, c'est-à-dire dans l'export PDF interactif, qui est le cas, hein, ça fonctionne très bien, et dans l'export Publish Online. Et donc, quand j'ai remarqué que c'était pas le cas, en fait, c'est la première fois que j'ai été confronté au problème et il a fallu que je cherche un peu pour trouver la solution la plus pratique en attendant que ça devienne interactif dans l'export Publish Online, si ça vient un jour. Et c'est pour ça que cette option de mettre un calque au-dessus avec mes boutons transparents a été finalement l'option que j'ai préconisée. Pourquoi? Parce qu'elle me donnait l'avantage de pouvoir, comme je le disais, faire des blocs un peu plus longs que simplement sur le chiffre, surtout pour la partie narrative. Par contre, le gros inconvénient, quand même, c'est bah, de devoir les passer à la main. Parce que là, pour Oui, le parce que coup, comme j'ai ils dû sont les sur le passer à calque la main, au-dessus, chacune d'elles. Exact. Ouais, tu peux pas Voilà. encore, on peut pas encore ancrer au-dessus, quoi. Voilà. Et quand on regarde les hyperliens, ben on ne sait pas trop où est-ce qu'on va en fait. Donc là, il y a aussi pareil, je reste un peu paumé là-dessus, c'est pas quelque chose sur lequel je me sens tout à fait à l'aise. Bon, après, on s'en sort et on trouve les solutions. Publish Online, c'était aussi la première fois que je publiais un document qui est un document qui allait avoir pignon sur rue, entre guillemets, c'est-à-dire qui serait lu par tout le monde. Donc le mettre en iframe sur le site du client, ça, il n'y a pas de souci, puisqu'on peut récupérer le code de iframe. Par contre, voilà, après, je suis content d'avoir eu cette expérience-là, parce que je ne l'avais jamais fait avant, en fait. Et puis d'ailleurs, je ne l'ai pas refait. Moi, Publish Online, je m'en sers beaucoup, mais pas pour publier à tout le monde, juste pour montrer le suivi du document à mon client. Ça m'évite de. Bah, on en a parlé la dernière fois qu'on s'est vu, d'ailleurs, ensemble, sur la dernière vidéo. Maintenant, on peut faire publier pour révision, mais Bien sûr. jusqu'avant cette option-là, je faisais un publish online qui était dans un iframe sur mon site, dans une page protégée avec un mot de passe.
Et les clients enfin, ouvrent la page et voient l'avancée du travail. Donc, moi, j'avais une utilisation de Publish Channel qui était là-dessus. Là, c'est une utilisation qui est une utilisation ouverte à tout le monde. C'était la première fois et c'est la seule fois que je l'ai fait, d'ailleurs. Carrément. Il y a Stéphane qui nous fait remarquer que dans ce cas-là, il faut faire une feature request sur indesign.uservoice.com. Il a tout à fait Il a raison de raison. faire cette remarque fort judicieuse. Et Zuko qui nous dit un petit bémol sur Publish Online, pour lui, on ne peut pas être en mode collaboratif sur la mise à jour d'un lien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais comme on peut pas ouvrir, oui, tout à fait, parce qu'en fait, le lien, il est lié à ton ID, en fait. Donc, ouais. Pareil, feature request. Mais moi aussi, j'ai à un moment donné, pour un projet, justement, j'ai pas fait le publish online parce que on pouvait pas être à plusieurs dessus. On pouvait pas mettre à jour, en fait, pouvait pas y avoir des mises à jour croisées. C'est vrai que dans certains cas, ça peut être intéressant, notamment en agence, particulièrement. D'ailleurs, c'était pour une agence de com, donc il y avait cette problématique-là et ça ne fonctionnait pas. Parce que c'est lié à l'identifiant, en fait. Oui, bien sûr. C'est lié à l'identifiant et je ne sais pas du coup si c'est une problématique qui est traitée sur justement sur la partie entreprise ou autre. Enfin, pas pour le moment, je le vois. Mais l'autre question, justement, c'est les révisions, publier pour révision. Toi, c'est un outil que tu utilises maintenant en production? Ouais, je l'ai utilisé dernièrement là pour un projet. Ça fonctionne super bien. C'est Tiens, vraiment très bien. Et c'est tu nous le montres 2 secondes pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore. On va profiter d'être en l'outil mode révision. expert. Alors peut-être pas. Alors je vais le faire avec un nouveau document parce que là le document de 180 pages, on va Oui, éviter de on va attendre une demi-heure avant qu'il se charge. Voilà, exactement. Donc je vais faire un truc. Je vais passer Copie pour une laisser double un page. petit. Bah oui, tout à fait, bien Voyons, sûr. t'as des pages pleines à côté. Bien Je sûr. conçois qu'on n'envoie pas 180 pages comme ça juste pour rire, mais au moins une simple ou une double, ça doit progresser. Et avec un tout petit Ah, peu de tout à fait. texte. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aime bien, quand il y a un peu de texte dedans. Ça, comme c'est. Qui est retenu? 22 par 28. Blablabla, bon, il n'y a pas les calques et tout ça. Oui, je Okay. pense Alors, que. c'est dans le bouton. Alors, si je vais faire un POMS, je vais l'enregistrer, mettre ça. Ok, maintenant, je vais faire sa révision. Voilà. Et donc, là-haut, on a le petit bouton qui va s'appeler partager pour révision. D'accord. Partager pour révision. Alors, je vais l'appeler titre révision live. Voilà. Je clique sur le bouton créer. Et donc, c'est là, en fait, où donc, il fait une petite moulinette, il fait un export du fichier, donc cette planche-là. Et puis, je vais inviter des gens. Je peux t'inviter, toi, Franck? Oui, je veux bien, avec plaisir. Alors. FR32C, free.fr. Voilà. Invite. Voilà. Donc là, l'invitation est partie. Alors, je précise que je peux inviter quelqu'un qui n'est pas forcément adobé, pardon, abonné à la suite Adobe, hein, parce que du coup, en fait, il va recevoir un lien cliquable. Toi, tu vas recevoir un lien cliquable. Et ce lien-là, hein, en fait. Hein. Donc, moi, si je clique dessus, je peux aussi y accéder. Et donc, vous voyez, ça s'ouvre dans un navigateur. Hein, donc, il n'y a pas besoin d'avoir ni même Acrobat ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là, c'est la page 1. Et puis donc tu vas avoir voilà, la planche avec donc les différentes informations qui ont été placées. Et là en fait, alors tu veux le faire peut-être Oui, je suis en pour train le de relancer mon mail que j'avais Ah gentiment masqué. oui. Mmh. Une chose à la fois. J'ai effectivement reçu donc la petite notif. Et quand on reçoit la petite notif, en fait, on est envoyé d'abord sur l'application Creative Cloud. Et de l'application Creative Cloud, on reçoit le petit lien pour pouvoir aller sur le Publish Online. Hop. Oui, mais il me semble que tu n'es pas obligé d'avoir l'application pratique là. Que Non, tu mais reçois le pour le là. coup, moi, en fait, Oui, j'ai vu mais la toi tu l'as notif. donc. Voilà. Oui, d'accord. Comme Oui. j'avais l'info, je suis allé via la notif.
Et par contre, il me fait un truc chelou que j'ai pas encore eu. Et ça, je pense que c'est ma faute. J'ai un... Tu sais, de temps en temps, il y a des... Il y a des cookies qui coincent. Hop. Ah oui, Parce d'accord. qu'il est... Parce qu'il me connaît. Et donc, comme il me connaît, il m'envoie sur le lien du callback du login Ah oui, d'accord. d'Adobe. Ok, je comprends. Ouais. Moi, je peux me faire aussi des, je peux me faire des mes commentaires aussi. Je peux être mon propre. Alors que là, ici, je peux dire, ben, voilà, ça, c'est pas l'Ipanema, par exemple, mais c'est le Braganza, par exemple. Je me suis trompé. C'est pas ça, c'est Braganza. Non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Texte barré, voilà, remplacer du texte. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc ça, hop, on va faire remplacer le texte. Et là, on va dire Braganza. Braganza. Voilà. Et je valide. Voilà. Et en fait, donc, puis, bah, toi aussi, Franck, tu peux, à un moment donné, me dire, grossir ce corps, changer ce texte, Tout à changer fait. la graisse, pourquoi Mais pas, c'est tout. pour moi, le vrai gros intérêt là-dedans, et on avait déjà présenté le Publish Online jusque-là, enfin, pardon, le partager pour révision. Le vrai gros intérêt, c'est que sur cette version-là, depuis quelques mois seulement, on a récupéré en plus le fait de pouvoir barrer et remplacer. Et ça, c'est précieux, parce que c'est quelque chose qu'on avait, à l'époque, quand je l'avais présenté la première fois, je vous avais dit, c'est bien, sauf qu'il me manque encore. Des gros éléments qu'on utilise via les corrections PDF, les commentaires PDF qu'on pouvait intégrer dans InDesign. Et là, le fait qu'ils aient rajouté ça, pour moi, ça vend complètement le projet et on va pouvoir travailler avec complètement. Et non, c'est Voilà, bien bah mieux. justement, tu vois, donc le remplacement de texte, même si c'est moi qui le fais, hein, que je suis propriétaire de mon propre fichier, enfin, c'est pas gênant. Donc du coup, là, j'ai le panneau commentaire qui est commenté, pardon, qui s'est allumé. Et puis je vois que voilà, je me suis dit, il faut remplacer ça par Braganza, voilà. Et en fait, après, je peux choisir de résoudre et Oui, publier. alors il n'y a pas encore la fonctionnalité de faire les remplacements. C'est-à-dire que faire les Non. remplacements, on l'a encore dans la partie commentaire PDF. Et par contre, on récupère le Voilà. lien directement. Mais on a au moins le début Voilà. du Puis travail, quoi. je peux le copier-coller ou des choses comme ça. Et donc, oui, en ça, c'est. Donc, moi, je l'ai utilisé. La seule chose qui est sur laquelle il faut faire attention, c'est que cet espace-là ne devienne pas un Slack. C'est en fait une sorte de message vide, parce qu'on n'est pas obligé d'ailleurs d'épingler à un endroit donné pour faire un commentaire. On peut laisser un commentaire sur l'URL en question. Et en fait, très vite, ça peut devenir un Slack avec des choses à se dire, des trucs comme ça. D'autant qu'on peut répondre, s'auto-répondre, machin, etc. Donc, voilà, c'est la, disons, mais bon, voilà, ça demande tout simplement une petite introduction à l'outil en disant voilà, continue de m'envoyer des mails si tu as des choses à me dire par mail. Ce sont pas des choses qui ont attrait au fichier directement. Par contre, si tu as des corrections à me donner, tu les fais sur cette URL-là. Voilà. Ouais, ce qui Ah, c'est simplifie pas. beaucoup le process. Ouais, tout à fait, oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus, enfin, moi je le vois dans les communications, que ce soit avec les artistes qu'on doit recevoir ou avec les gens avec lesquels on travaille, il y a vraiment de plus en plus cette question-là, justement, de pouvoir suivre un contenu, savoir exactement à quel endroit on a écrit, etc., etc. Eh bien, écoute, Voilà. merci beaucoup à toi. Merci à toi, merci à tout le monde. À deux en En tête à grand. tête, voilà, en grand, en moyen grand, mais quand même. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a encore des sessions dans la semaine. Demain à 14h, on sera avec Fremox, avec Mathieu Frémaux, pour parler de script dans After Effects. C'est la suite de la session du mois de décembre. Donc, regardez la session du mois de décembre pour avoir la première introduction et venez voir la suivante demain 14h, jeudi photo et vendredi développement personnel avec Aline du Biboost. Donc, profitez bien et d'ici là, eh bien, travaillez bien et à très bientôt. Bye bye. Bye bye, merci Franck, merci à tous. De rien.